Bienvenue dans un nouvel épisode de Little Hope. On se retrouve pour l'épisode 7. Et voilà, sans plus attendre, on va continuer. L'enregistrement est bien lancé cette fois-ci, pas comme la dernière fois, pour l'épisode d'avant où j'ai dû retourner, comme une grosse débile. Enfin bref, ça fait 2 semaines que j'ai pas joué, ça fait longtemps. Pas parce que j'étais dans le déni et que je voulais pas continuer, mais tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui sont sorties entre-temps, notamment sur The Last of Us. Pourquoi je suis coincée? Donc on va continuer. Il y a beaucoup de choses. Donc moi perso, vu que j'ai dû monter les vidéos, je me souviens de ce qui s'est passé. Donc voilà. Pour vous, ça fera quelques jours. Moi, ça fait 2 semaines. Mais ça va. Attendez, je suis perdue dans la fog. Help. Help. Donc il y a eu plusieurs hallucinations, slash flashback, slash téléportation dans le temps. Vous appelez ça comme vous voulez. Petite maison bien flippante. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser. Ça me fait penser à la maison dans It, le 1. Mais pas le vieux, genre, le It récent là. Vous savez? Et genre, on le voit ici avec genre le ballon rouge et la scène avec les enfants. Vous pensez qu'on peut aller explorer? Je suis moyen sereine, mais je veux dire, s'il faut. Ah, non, je peux pas. Attendez. Ah, je peux pas. Ah, dommage. On me rappelle, il y a le monstre qui est. Je veux dire, à notre dos. Plaisir. Le monstre, je suspecte que déjà il se déplace comme les créatures dans Until Dawn et ça me plaît moyen. Et deuxièmement, oh, une tombe. Elle avait. Ouh, elle est morte jeune. Use. Ouh, discover mort. Oui, forcément, je vois pas ce qu'il y a écrit à cause de mon téléphone. Elle est morte très très jeune. Ok, attendez. Il y a un truc. Ah, mais c'est ça. Taylor, you need to see this. You've got to be kidding me. What is that thing? You ever have any family here? In this shithole? No way. Why does that weird fucking thing look like me? Wow. Donc, elle est morte. Enfin, pas elle, mais je veux dire. Est-ce que, genre, je peux la réexaminer? Ok, je peux juste la regarder, quoi. Donc, elle est. Ouais. Et aussi le monstre, je suspecte que il a une sorte de mécanisme. C'est pas genre des tentacules, mais genre il attrape les gens. Vous savez, on l'avait vu dans une des prémonitions avec Angela. Il attrape genre les gens en leur, vous savez, en leur lançant des chaînes en fait métalliques. Et c'est ça, genre tous les bruits métalliques qu'on entendait et tout. Bon, anyways, je me suis mise bien proche de l'écran, comme ça, voilà. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent me voir me chier dessus. Mais ce ne sera pas le cas. Comment on fait encore pour avancer vite? J'ai oublié. Ok, c'est R1. L1, pardon. C'est quoi l'objectif encore principal, rappelez-moi? Lead your students. Stick together. Ok. Donc ça, c'est les petites prémonitions. Ah, il y a un truc nouveau. Il y a un truc nouveau. Ouais, ok. Ok, tout ça on avait déjà vu. Voilà, donc le but c'est de remplir. Enfin, j'imagine toutes les roues seront remplies à la fin du jeu. Ok, ouais. Nice. On va. Continuer. Moi, j'attends. Est-ce que vous pensez que le monstre va nous poursuivre dans cet épisode-ci? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Putain, comment il s'appelle lui encore? Daniel. Daniel, c'est ça son nom. Daniel, il est confiant, hein? Il y a un truc. Oh, prémonition.
Ok, un mec qui se fait choper par la police parce qu'à mon avis il est coupable de quelque chose. En fait, j'arrive pas, je me souviens plus à quoi ressemble le bus driver du début du jeu. Et du coup, je sais pas si c'est lui à chaque fois qu'on voit sur les prémonitions ou est-ce que c'est un type genre totalement différent. Vous savez, il vit dans Little Hope et juste, je sais pas, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Parce que moi, j'ai pas l'impression de le reconnaître. Dites-moi si vous le reconnaissez. Tu t'es oppressant. Tu oppresses là. C'est stop. Faites les couilles. Ok, on a une prémonition, on va avancer. Bon, pour le moment, je sais pas si je joue bien, si je joue mal, mais aucune des prémonitions ne s'est passée. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, ou est-ce que j'ai pas encore suffisamment avancé dans le jeu. Dans tous les cas, dès qu'on se trouve près d'une barrière et près de la flotte, et qu'on doit parler à un personnage, on va pas le faire, parce qu'il va se faire arracher par le monstre. C'est Daniel. Daniel, you need to see this. Ça va être chacun à son tour, tu sais. What's going on? Another coincidence. This guy looks just like you. Recognize him? No. And I've never been in a band either. D'ailleurs, je tiens à rappeler, vous voyez la famille qui est morte au début, Anthony, il a survécu. Il a survécu, comment je le sais, c'est parce qu'en fait, la deuxième fois que j'ai rejoué, parce que j'avais oublié d'enregistrer mon écran, j'avais trouvé un indice en fait dans le commissariat de police. Et les policiers, donc en gros, c'était une sorte de genre, un tableau accroché au mur, et il disait qu'en gros, la police a été appelée parce qu'il y a eu un feu de maison, donc on devine qui c'est. Et il disait qu'Anthony est le seul qui a survécu. Mais qu'il a été genre Maybe innocent. the fog was the reason for the diversion. We were never meant to make it out of here. D'accord. Donc Anthony a survécu. Mais il a été innocenté. J'essaie de bien chercher partout tous les indices, même si je sais que j'en loupe parce que voilà. Je le sens pas ce pont. Ah, je le sens pas. Je le sens pas. Il y aura une couille. Il y a de l'eau. C'est qui va tomber qui va se faire arracher par le monstre? C'est pas moi. I can't see for shit. Jesus. Water looks black. I don't want to go anywhere near it. Ils auraient pu faire un petit QTF, tu sais, pour rattraper Angela. Okay. Who's first up? À la Squid Game. Professor, you keep telling us you're in charge, so... Let's check all over. On va peut-être pas la jouer, pas très certain, ok? Juste... Maybe we need to check all our other options first. Right. Thought so. Come on. Pardon. Tout le monde est. I want off this bridge as fast as possible. But not that fast. Someone has to go first. You lead. I'll be right behind you. C'est bon, vous vous accrochez et puis... Non, j'aurais dû faire aller le prof en premier, parce que Andrew, je l'aime bien, je veux pas qu'il meure. Le prof, désolé, mais je m'en bats un peu les couilles. C'est juste que je voulais le faire paraître un peu con, tu vois, parce que c'est toujours le mec qui veut « je suis le boss, on va y aller ». We can't stay here. Regarde comment il tremble. Je suis prête pour les QTE. Hey,
In this year of our Lord, 1692, we are here present to bear witness to a just execution. No! Amy is declared guilty of consorting with the devil, and is to be drowned as a witch and sorceress. Let us pray in silence for her soul. I've done no wrong. I am no witch. I do not deserve death. I beg you. What's going on? Why do you look like Angela? Your words have little meaning to me, but I beg you. Help me. On va lui aider. The devil is in the wind, seeking to help his own. He would release her from the chains. Isaac, let us conclude our business here swiftly. The will of the court must be imposed before it's too late. The devil fortifies her. You must bind her tightly. You cannot do this! Isaac, I am innocent. Fulfill the will of the court. Help me. Send this witch back into the lap of her master, lest he come for us all. Little hope is already lost, shrouded in evil. But not as you claim from witchcraft or outside demons. We are poisoned from within. You will not save yourself with riddles. There is no riddle. The devil takes many forms. You know that better than any. In Little Hope, he has hid himself under a shroud of innocence, taken the form of a child by accuser. While Mary still draws breath, Little Hope remains beyond salvation. There lies your evil reference in your very face. Isaac. Je voulais la sauver, hein. What did you see? Tell me. I don't know how to tell you what I just saw. On va le dire. Your double was pushed into the river in chains. She drowned. Elle est là. La tension, les gars, ça fait même pas un quart d'heure. Hein. J'avais oublié ce que ça faisait de jouer. All right, I'll go first. Okay, you two, get on down here. La prémonition. What the hell is that? What is that thing? Get away from it! Est-ce que vous pensez que le monstre va nous poursuivre dans cet épisode-ci? Run! Get the hell out of there! Look out! Shit! Don't leave me behind! Hey! Give me a hand here! Hold on, hold on. Fuck. Tu te fous de ma gueule, Angela. I'm coming back. La prémonition, la prémonition, la prémonition. Hold on. Reach up and grab my hand. La prémonition. Jump up and grab onto me. Juste fais-le. Okay, I trust you. Oh.
Phew, that was really quite close for Angela. She was almost lost to a fate worse than death. Not that there's anything particularly wrong with death. Well done. Not a soul lost so far. Things could have been quite different. As the stakes seem to have been elevated, that gun might prove to be a lifesaver. Don't you think? Or the precise opposite? Me. Andrew's keeping it quiet. Good move. Look after number one, right? The boys have some interesting theories. Maybe you're choosing to believe Daniel's theory. That they're already dead. My dream was lengthened after life. Oh, then began the tempest to my soul. I passed, methought, the melancholy flood with that sour ferryman, which poets write of, unto the kingdom of perpetual night. It's possible, I suppose. Maybe the bus driver can shed some light. This must be very confusing for you right now. En effet. Doppelgangers, witches, ghosts, death, and demons? What could possibly tie all of these souls together? I dare say we'll find out, I have been granted permission to give you a single hint. Oui, 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 dis-moi. Granted? Okay, then. We will once again turn to the bard for some cryptic inspiration. I met him once, you know? I meet everybody once. Act 5, scene 1, where Cleomenes begs Leontes to forgive himself for causing the death of Hermione. Do as the heavens have done. Forget your evil. With them, forgive yourself. Très bien. Ça m'en dit quoi, ça? Go on, then. As terrifying as it might be, you should get back to it. Les gars, mon corps entier tremblait. J'ai sauvé tout le monde pour le moment. Oh non. Putain, ça. Wait! What in the name of holy fuck was that? I've never seen anything like it. It was like something from a nightmare. Did you see the way it looked? The gaping mouth, those dead, soulless eyes? Whatever it was, it's gone now. I was nearly gone. If that thing had caught me, it was so close. You've had the crap scared out of you. We all have. But at least we got the fuck away from it. Bitch, commence pas. We did. Thank God we're all okay. Right now, we're safe. That thing, whatever the fuck it was, is still out there. Could be hunting us as we speak. It was in chains. Just like the woman who went in the water. Dead. I don't believe that's coincidence. Either of you see what happened to Taylor and Daniel? They can't be far behind us. No. Let's just get out of here. Il est derrière, vous l'avez vu? Ça fait combien de temps qu'on joue? Ah, seulement 20 minutes. Parfait. Oh, on est dans un cimetière! Mais c'est parfait! Ah, en fait, je sais... Taylor, on... En fait, vous savez ce que j'ai peur? C'est qu'au moment où, genre, peut-être Taylor et Angela vont devoir céder, et genre, elles vont se faire un gros fuck. Et anyways. Du coup, il s'est passé... Attendez. Ah non, ça c'était nouveau. Ah oui, ça c'était le truc qu'on avait vu. Vous voyez, regardez.
En fait, je sais pas si les prémonitions c'est des bons trucs ou des mauvais trucs. Est-ce qu'il faut que tu joues d'une telle façon à ce que les prémonitions se passent ou pas? Moi, j'ai réalisé la prémonition et Angela vit. Regardez! Ah non! Ah non, pardon. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Oubliez. Ah non! Donc toutes les prémonitions sont pas bonnes! Parce que ça, c'est la prémonition selon laquelle elle sera morte. Vous voyez, elle s'est fait attraper. C'est celle-là. Vous voyez? Grab my hand, j'avais dit hein, que c'était ça qu'il disait. Oh, je suis tellement contente d'avoir réussi! Bon, allez, on est bien parti, donc on va essayer de pas faire de la merde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est. Bah oui. Hein, quoi, elle voulait le faire elle-même? Attends, elle a vraiment cru qu'elle allait grimper la paroi rocheuse elle-même. Non, elle allait mourir si elle faisait ça. Bah oui, il faut être grateful. Enfin, on va pas commencer à. Bref. Narrowly, je pense Narrowly, c'est genre tout pile, vous savez. Ils appellent ça un démon. Et là, il y a la. Vous pensez que ça a eu de l'influence, ça? Le fait qu'il était pas. Genre, qu'il était indécis? En vrai, j'aurais pris le devant, mais c'est juste genre. Je voulais le faire paraître con. Ok. C'est tout. Et là, on a un truc nouveau. C'est ça. Ok. Je suis prête si jamais on va devoir courir ou des trucs comme ça. Fin de route. J'ai peur d'aller explorer parce que j'ai peur de me faire arracher par le monstre et tous les efforts que j'ai mis pour sauver Angela vont être niqués. Isaac. Isaac, c'est l'inspecteur. Enfin, l'inspecteur, genre, je l'appelle comme ça, mais. J'aime pas du tout ça. Ouais, le mec, vous savez, avec le chapeau là. J'ai peur. Des petits bruits bizarres. J'aime pas ça. Il était de quel côté le monstre? Est-ce qu'il était ici? C'est oppressant, sa mère. C'est oppressant en fait, c'est ça le truc. C'est horrible comme sentiment. Il était de quel côté, je sais plus. Ça me paraît logique, tu vois, qu'il soit derrière, mais. Vous voyez? Genre, le fait que la relation entre Angela et Andrew soit bien, mais ça lui a permis, je pense, de la sauver, vous savez. Parce que j'en suis disputée entre. Can we keep moving? I don't feel safe here. Moi non plus, bitch. Tu sais, j'adore, c'est elle qui dit ça, mais genre, c'est moi qui m'en prends autant d'explorer. Attendez. Là, il y a deux chemins. Attendez, attendez, attendez. On y va ou quoi? Y a peut-être des indices. Vous pensez? Non, il ferait pas ça. Vous pensez qu'en se trompant le chemin, on pourrait mourir? Moi, je trouve ça dégueulasse. Marie, vous pensez que c'est la petite fille? Parce que je sais qu'il parle de wife, mais vous savez peut-être que c'est genre plus loin dans le futur. Genre elle a grandi, puis elle a eu un mari, quoi. Et son mari, ce serait Thomas. Je sais pas qui est Thomas. Ah, pardon, j'ai pas fait, vous savez, le truc de. Ça. Vous savez, pour voir peut-être des indices. Y a pas, y a rien. Donc tout se passe dans les années 1700, hein, plus ou moins. Putain, Andrew, il est tellement confiant. Le mec avec le plus de balls dans le groupe. Je vais. Y a l'air d'avoir deux chemins, je sais pas par lequel aller. Y a une porte, y a une gate. Ça va être fermé. Ah non, c'est pour continuer. Exit. Moi, je suis chaud, hein. On exit ou quoi, les gars? Il y a peut-être des indices.
Vous pensez que c'est chronométré? Non, aucun moyen. Non, ils font pas ça. Super Massive Games, je sais que vous faites pas ça. Let's get out of here. Mais il y a peut-être des indices. Je veux des indices. Vous pensez qu'on peut se faire arracher parce qu'on reste trop longtemps dans l'endroit? Bon, avance par contre, tu m'énerves par contre un peu. John là. Exit. Je vais me donner le même objectif que dans Life is Strange. En gros, dans Life is Strange, je m'étais donné un objectif, c'était de sauver une personne bien en particulier. Et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour sauver cette personne, mais je voulais terminer le jeu en ayant cette personne en vie. Et je l'ai fait. Et ben vous savez quoi, là on va faire la même chose mais pour Andrew. Je vais tout faire pour qu'il vive, parce que je l'aime trop. Si Andrew meurt, par ma faute, je m'en voudrais trop. Il n'y a pas d'indice, hein, les gars, regardez, j'ai regardé. Il n'y a pas un. Donc je pense qu'ici on a fait le tour. Ça, c'est la même chose. Je pense qu'on a vu tout ici. On se casse. Y a pas, en fait, il n'y a pas moyen de rentrer juste dans un bâtiment, genre. Et vous restez là, quoi. Parce que dehors, je suis pas en sécurité. Enfin. Il y a plusieurs monstres, hein. Je pense que vous l'avez capté. Stay away from that bridge. I'm all for putting as much distance between us and that hideous thing as we can. Pretty sure Daniel and Taylor would be thinking the same thing. Out of sight, quick! Vince, je savais que c'était Vince. Le mec il se tape une randonnée à 3h du mat. Best to keep out of his way, I reckon. That woman's final words keep buzzing in my head. To end what's happening in Little Hope. The little girl has to be stopped. Was she talking about stopping more witchcraft accusations or something else? I couldn't tell. Come on, let's go. Vous pensez que si on s'était fait cramer par Vince, il nous aurait aidé? I'll go in and take a look around. Ou pas? Eux ils chill, ils sont pas les couilles. Mais bouge, fais quelque chose. Ça me rend ouf ça. How you doing? I'm wondering if that thing could be coming after us. No. Don't think it's coming after us. What makes you so sure? Huh? Reste avec moi. You and me gotta stay real close now. When you say close, how close exactly? Cette biche se fout de ma gueule. Ah, elle se fout de ma gueule. Vas-y, tu casses les couilles. A little closer. J'ai un trophée. Ça allait vous faire arracher. J'ai obtenu un trophée. Ça s'appelait genre solide comme un roc, je crois, ou un truc comme ça. Je pense. Vous pensez que c'est un trophée? What's that noise? Attendez, attendez. Parce que moi j'ai un truc, j'ai très peur. C'est que genre dès qu'on se sépare, il y aura genre un truc qui va s'activer. Vous voyez ce que je veux dire? Hear anything? Est-ce que vous pensez, j'ai le droit de revenir en arrière ou pas? Je sais, c'est peut-être pas une bonne idée, mais faut pas revenir en arrière. Reste proche de moi. Vous pensez que j'ai obtenu un trophée parce que genre j'ai réussi à faire évoluer leur relation? Ils sont dans une sorte de genre
couple. Enfin bref, c'est un peu bizarre, mais voilà quoi. Je pense qu'on a tous capté. Et vous pensez que genre j'ai choisi genre les bons dialogues et tout, et genre du coup j'ai réussi à, vous savez, genre à ce qu'elle m'aime bien. Putain, si c'est ça, c'est stylé en tout cas. Nice. Ça me fume parce que genre la meuf, elle a peur, mais en même temps, elle s'en bat les couilles. Witch Trail. Ah, vous vous souvenez sur la carte? En fait, la brume, c'est une sorte de portal, vous savez. Ça permet de vous téléporter. I don't like this. I want to go another way. Don't think there is another way. Commence pas. On a déjà vu hein, la dernière fois. On a pris un autre chemin. Et tu vois, ah, la carte, on va pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'on est. Je vois rien pour le moment. Pas d'indice. En fait, j'ai pas beaucoup de prémonitions en ce qui concerne Daniel et Tyler. Et ça me fait un peu flipper parce que si jamais elle monte, je sais pas ce qu'il faut faire. Parce que là, vous voyez, j'ai suivi la prémonition et c'était une bonne idée. Je pense que si j'avais aidé John, Angela serait morte. Quite the tourist trail. Not a place I want to revisit. Alors. Elle est où la sortie? C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, déjà, il y a de la flotte partout. Ça, c'est parfait pour un monstre qui est aquatique. Elle a l'air d'avoir quelques petites maisons. Police Station. Police Station, c'est là où on y a été. C'est le numéro 3. Cimetière, le numéro 4. Donc, on a avancé. Numéro 5, Town. C'est là où on doit aller. C'est là où on doit aller. Et on est au niveau du cimetière. Bon, les gars, ça va, il nous reste pas beaucoup là. Enfin, si on peut tous y arriver en un morceau, ce serait cool. Attends, tu crois qu'il y a encore des trucs à explorer? J'avoue, j'oublie de faire ça. Vous savez, genre ça. Vous voyez une petite tête, c'est sur le côté. On continue. J'ai obtenu. Attendez, je suis trop curieuse, le trophée, je l'ai obtenu. Pourquoi? Et vous pensez que je peux aller voir? Ah non, j'ai pas. Bon, tant pis. Il y a un truc nouveau. C'est le mec, c'est lui qu'on avait vu la première fois. Vous savez quand John s'est jeté de la route là, bah, c'était lui. Mais je suspectais que c'était lui, mais genre j'étais pas sûre, tu vois. Je me dis, ah, c'est peut-être le monstre. Tu sais, comment ils s'en bat les couilles. Tu sais, nous, on se fait chier, genre pendant toute la nuit à survivre à un monstre et tout, à sortir de Little Hope. Le mec, il prend son vélo et il se casse. C'est aussi simple que ça. Je suis pas sereine là par contre. Parce que vous savez, une fois qu'on commence à courir après les monstres, ça n'en finit pas. Hey, over here. You gotta check this out. That thing could still be around here. In the water. No, we left that thing way behind. We must have. No. No. Oh, shit. You're going first, right? You weigh half what I do. Better if you lead. I'm not crossing this crapped out bridge, no way. To find the others, we gotta cross. We got no choice. Fine. I'm heading across, you can follow me. If the bridge is still standing. Okay then. J'avoue, c'est pas con. C'est vrai qu'elle est plus légère. Attends, attends, cousine, cousine. Pas trop vite. C'est si simple que ça? What the hell is that? Ça, vous tenez le coup? Je
Genre, il avançait comme ça. Je sais pas, il me fait penser genre à Dobby ou un truc comme ça. Ses petites jambes maigres. Eh, mieux vaut en rire que se fier dessus, hein. Comme le dit absolument personne. Pensez encore qu'il y a des indices. Moi, je vois rien. Les gars, va falloir courir. Je sais. Mais c'était là, hein, on est d'accord, il est passé devant nous, donc. Frère, je suis pas confiante. You see this? Voilà, donc la meuf a soi-disant été enterrée ici, donc elle est pas loin. La meuf enchaînée. Let's get out of here. Daniel! Get your hands off us! Quiet. I'll break you. Mary? I am over this way! Mary. The fountain of all evil is here. That little kid is the evil here? I don't get it. My beloved Amy proclaimed it so with her dying testimony. If this evil is to end, Mary must be stopped. Who in the hell are you? Why do you look just like John? I have no answers for you. Perhaps I'm already under a witch's spell. There it lies! I found it! How did you come by this? Fashioned with my own hand. I take it to protect you. Suspicion and betrayal walk side by side in Little Hope. No one is safe. Please, Tabitha, let me keep it! Ok. Vous voyez les monstres dégueux qui nous attrapent à chaque fois, genre qui sont en noir et blanc. En fait, je pense qu'ils nous veulent pas du mal. Je pense que ce sont les gens qu'on voit dans les flashbacks mais qui sont morts. Mais genre, ils nous touchent, vous savez, pour nous faire vivre la scène et pour nous... pour qu'on leur aide et peut-être que aussi pour que eux nous aident. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas méchants, je pense. Ils sont juste dégueux, mais... No working phone anywhere. Ok, so it looks like we really are trapped here. Still no sign of him? Nope. Not yet. I just hope they're both okay. I figured we'd have found the bus driver by now. Wonder where he's at.